La Coupe de Genève, l'épreuve des combinaisons, une exclusivité de Genève. Tiffany Foster, Kevin Stone, Peter DeVos, le trio vainqueur l'an passé. C'est Peter DeVos qui avait gagné. On le revoit avec Dream of India Garfield. Peter DeVos qui remportait l'an passé cette Coupe de Genève, épreuve de combinaison dotée de 100 000 francs, comptant pour le classement mondial et donnant 5 places pour le Grand Prix Rolex de demain, une des 3 étapes du Grand Chelem, du Rolex Grand Slam of Show Jumping. Il y a 5 places à gagner aujourd'hui. Les cavaliers qui, sur la liste de départ, ont un petit astérisque, sont déjà qualifiés pour demain. Les autres vont se battre maintenant sur cette épreuve très particulière, faite de combinaisons. Il y a 4 doubles, il y a un quadruple, c'est rarissime, placé par nos chefs de piste, Gérard Lachat, Luc Musette et toute leur équipe ont placé un magnifique parcours. Et normalement, il y a 2 combinaisons et beaucoup d'obstacles simples. Là, non, on commence par un simple, mais ensuite on enchaîne sur des combinaisons très différentes les unes des autres et des lignes compliquées. Il y a même 2 combinaisons, 2 doubles qui se suivent et puis ce fameux quadruple Rolex unique. So now we are about to start with class number 14, which is a class with double and combinations. With a jump-off, with a final jump-off, we have 42 riders in the ring, and the length of the course is
Le premier concurrent est en piste et quel cavalier! Demain, il pourra essayer de viser un doublé dans le Rolex Grand Slam of Show Jumping, car c'est le vainqueur du Grand Prix Rolex d'Aix-la-Chapelle, l'épreuve la plus prestigieuse au monde, qui est en piste. Il monte Aragon, Christian Allman. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième jour de compétition déjà ici à Genève à Palexpo pour la 54e édition du concours international de Genève. Et on va découvrir ensemble une épreuve atypique ailleurs, mais toujours au programme de ce concours de Genève, l'épreuve des combinaisons, la Coupe de Genève. Alors c'est simple, mes cavaliers vont avoir à franchir plusieurs combinaisons tout au long de ce parcours, et presque que des combinaisons d'ailleurs, puisqu'il n'y a qu'un seul obstacle isolé, il y a quatre doubles et un quadruple pour finir. On va découvrir ça avec le premier cavalier, ils sont 45 au départ de cette Coupe de Genève, et le vainqueur de l'année dernière, Peter De Vos, est bien sûr au départ. Mais tout de suite, c'est Christian Allman qui est en piste avec Aragon Z, ce Hongre gris de 13 ans. Et vous avez vu la première combinaison franchie, double de verticaux. Tout de suite, en ligne brisée à droite, la deuxième combinaison, triple barre de foulée Auxerre. Et là, une ligne de deux doubles. Verticale, une foulée Auxerre. 5 foulées, Auxerre, 2 foulées verticales. On est face à l'écran géant ici à Genève. Un écran géant qui a bah, effrayé, mais en tout cas intimidé beaucoup de bons chevaux comme tous les ans. Et le quadruple pour finir, Auxerre, 1 foulée verticale, 2 foulées Auxerre, 1 foulée verticale. Et la ligne d'arrivée pour Christian Allman, 45 secondes et 30 centièmes. Donc on est dans le temps, mais il y a 4 points. Pour Christian Allman, et cette épreuve se court au barème avec un barrage au chronomètre pour tous les sans faute. Ça veut dire que et voilà les sans pénalité reviendront une deuxième fois sur cette piste pour cette fois se battre au chronomètre. On a pu découvrir donc ce tracé de Gérard Lachat et Luc Mouzet, les chefs de piste. Avec Christian Allman, alors que mon premier consultant de l'après-midi vient d'arriver. Il a couru pour revenir jusqu'ici, ouf, dit-il, puisqu'il était en train de reconnaître avec son élève Abdelkebir Ouadar. C'est Marcel Rosier qui est là. Bonjour Marcel. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu pour nous décrypter un petit peu ce passage. Alors Abdelkebir va passer lui en numéro 34, donc on a un petit peu de temps, ça va nous permettre de regarder un peu. C'est vraiment une épreuve spéciale genevoise. Non, mais autrefois, à mon époque, on va dire. c'était pas il y a si longtemps. Oui, il y a quelques années quand même, mais ça existait. Les parcours de double et triple, on avait ça dans beaucoup de concours. Et aujourd'hui, on ne le voit plus qu'ici. Et en plus, c'est une bonne gymnastique pour les chevaux. Je trouve que c'est un bon travail. C'est pas trop éprouvant. On est sur des hauteurs, on ne l'a pas encore dit, de 1,50 m environ. Et donc, 4 doubles et surtout donc un quadruple à franchir. On va arriver justement sur ce quadruple et puis on va pouvoir ensuite parler, Marcel, des principales difficultés pour vous sur ce concours. Et le quadruple très bien franchi. Ouais, très bien. En revanche, c'est toujours ce double orange, le numéro 4, là, qui est tombé pour les deux premiers cavaliers. Est-ce qu'il y a une combinaison qui a l'air plus délicate que les autres à marcher la piste? C'est-à-dire que le double qui précède celui-ci, c'est une barre de spa. Et les chevaux peuvent éventuellement regarder le quadruple à l'envers. Et maintenant, avec les talons, ils sont assez distraits. Kaokoura Nuti, très très clair, assez pour la France, d'une couleur, le champion d'Europe 2013, Roger Post. C'est moi qui l'ai fautif. Moi je craignais en faisant le tour à pied beaucoup plus le numéro 2, le double de verticaux. Alors deux cavaliers à 4 points et la première chance française maintenant avec notre champion d'Europe Roger Yves Bost et Kaokoura du Tissel français de 10 ans. Alors Kalido, Nétalon, Kaokoura du Tissel. Et on rappelle que cette épreuve est aussi qualificative pour le Grand Prix. Il y a des couples qui sont déjà qualifiés. Bah, refus. Et malheureusement. Oh là là. Bon. Ça part pas très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il n'a pas beaucoup de métier, ce cheval. Ah, il veut pas. Non, il veut pas. Il veut pas.
Ouais, Bosti, donc il ne veut pas le fâcher. Pas de métier. Un Auxerre numéro 1, le dos tourné au paddock. Ça, c'est la première difficulté finalement. Se retrouver dos au paddock, dans un virage qui est assez serré en plus pour l'aborder. Tout à fait. Là, le cheval bloque en fait. Oui, il a l'air d'avoir très peur. Regardez, il regarde tout. Ah, ça c'est vraiment un coup dur pour Bosti. Bon, alors il courait pas la qualif pour le Grand Prix lui, ici il est déjà qualifié, mais quand même c'est un peu. On prend les 5 premiers qui ne sont pas déjà qualifiés. D'accord. Voilà, il y a toute une série de qualifiés et les 5 premiers non qualifiés seront dans le Grand Prix de demain. Donc c'est une épreuve importante et certains cavaliers ont choisi de mettre leurs meilleurs chevaux. C'est le cas de cette cavalière, Lucie Davis, une cavalière américaine, toute jeune cavalière, qui a donc choisi Baron ici dans cette épreuve des combinaisons parce qu'elle n'est pas encore qualifiée. Cette cavalière qui était cavalière. Deuxième à Stuttgart dans la Coupe du Monde. Elle monte très 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 bien. Élève de Marcus Baerbaum et de Meredith Michaels Baerbaum. Quittation tout en finesse. Tout à fait. Allez. Parfait. Elle est jeune, cette fille. 22 ans. Il y a une série de jeunes talents ici à Genève. Départ de Spa, vous voyez. Là, c'est assez court pour prendre ce petit Auxerre. Donc on tourne la main droite. Et là, vous voyez, les chevaux sont un petit peu distraits. Tout de suite arrive cette entrée de combinaison. Et encore une faute. Et encore une faute d'antérieur. Ça va. Le quadruple se prend pas mal d'ailleurs, à main gauche là. Le dos à la porte. Le dos à la porte. Oui, mais les chevaux sont dans le mouvement maintenant, ils sont partis. L'Auxerre, qui n'est pas très gros à l'entrée. Par contre, là, c'est très court. Très, très court. Voilà. Et encore une fois, ce double numéro 4 qui pose un problème. Alors, comment est-ce que vous avez dit, par exemple, à Kébir, de préparer ce double? Est-ce qu'il y a une façon particulière de le préparer, alors? Il a un cheval qui a des gros moyens, mais qui est assez compliqué à contrôler. C'est un cheval qui a une bouche assez compliquée. Oui. On a du mal à trouver l'embouchure qui lui convient. Et c'est Québec hein, qui va ouais, Québec. Et pour lui c'est une première. Le cheval il a moyen de le faire, mais il n'est pas parfait à contrôler. Moi je lui ai dit d'aller appeler le numéro 3. Là. Il dit va assez loin, va chercher le. On va ouvrir la courbe. Tout à fait, va très loin. Et c'est un risque bien sûr, mais tourner un peu court à mon avis, on peut se faire prendre. Alors on parlait de jeunes talents, Marcel, je crois que celui-là, il nous fait pas mentir. Bertram Allen pour l'Irlande. Qui a gagné le premier jour une épreuve de vitesse, qui a gagné 3 grands prix 5 étoiles cette saison. J'adore, il a 7e des Jeux mondiaux. Une équitation en équilibre, oui. C'est une équitation qui dure. En équilibre complètement. Petite touchette ici, mais ça tient. Peut-être que ça va être bon justement pour franchir ce double-là. En plus, il a une très bonne main. Ouh là là, c'est passé. C'est le premier hein, qui le passe correctement. Il est très adroit. Oh, attention, une deuxième touchette ici. Pour l'instant, la chance est avec lui. Attention, le quadruple, le deuxième est assez court. Oui, c'est bon. C'est bon. Et parfait, voilà. Regardez ce qu'il est en train de faire encore, Bertram Allen. Le premier sans faute de cette Coupe de Genève, cette épreuve des combinaisons. Eh bien, il y aura donc peut-être un barrage, puisque c'est une épreuve qui se joue au Barema avec barrage après. Il devrait y avoir un barrage. Il ouvre la voie, en tout cas, aux autres cavaliers. Et vous parliez de cette équitation, il y a une espèce de connexion avec son cheval. J'adore. Tous ces cavaliers, très intuitif, non ? Qui montent en avant, c'est un peu une montre que j'avais moi à mon époque. Et je trouve que c'est une montre qui va, elle correspond au parcours d'aujourd'hui, avec des chevaux qui savent jouer le jeu avec vous. Parce que c'est léger, il n'y a pas d'erreur, ils peuvent vous sortir d'une situation lorsque il y a une distance un peu compliquée. Et on résout les problèmes en avançant. Moi je pense. Hein ouais. En général, pour c'est moi, toujours c'est... ce qu'on nous dit. Ouais, tout à fait. Alors, Romain Duguay maintenant, les couleurs suisses avec Corrida de Tréau, excellente jument. Hein. Beaucoup de moyens, le réserviste des derniers Jeux mondiaux pour la Suisse. Malheureux dans le Crédit Suisse Grand Prix de jeudi soir qu'on a vécu ensemble, avec lui aussi d'ailleurs après. Avec une faute sur le tout dernier obstacle. Et attention, parce que Romain n'est pas qualifié encore pour le Grand Prix. Il va vraiment jouer sa cartouche ici, avec cette jument. C'est bon. Énormément de moyens, mais parfois,
Voilà, elle va chauffer un peu donc dans les combinaisons. Il a tourné assez loin, regardez, c'est bien. Vous voyez, il est allé chercher très loin son double. Je crois que c'est la solution. Oh, oh aïe, 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 aïe. 4 points. Une foulée un peu belle, comme ça. Il est en train de perdre la sélection. Alors, il y aurait une autre chance ce soir, mais Corrida est quand même sa jument de tête. Je pense qu'il espérait beaucoup de celle-là, de cette épreuve-là. Oh, quel dommage. Et donc, on en reste à 4 points. Il avait passé ce double orange, Romain. On va peut-être revoir la faute au ralenti. Il avait très bien négocié le premier double. Toute petite faute de devant, c'est quoi une foulée un petit peu belle comme ça J'ai l'impression, on le revoit. Un petit peu près. Ben il va être déçu Romain, ça c'est sûr. Et on reste en Suisse. On reste en Suisse avec Niklaus Rucci. Il était deuxième hier de la grande chasse qu'on a vécu ensemble aussi. Il a fait un bon parcours en direct. Il était parti magnifique. Superbement bien. Allez. Cavalier, beaucoup d'expérience aussi. Il est ici avec Six Gracieuses Ardentes, une jument sale française, une fille de Kidam de Revel. 8 ans seulement, hein. Encore un jeune âge. Attention. Ouh, on est prêt. C'est bien. Et c'est bien couvert derrière. 4-5 foulées en tenant, c'est bien. Eh, il a la forme. Deux quadruples. Ouais. Magnifique. Très joli saut pour finir ce parcours. Et il y aura donc un barrage. Bertram Allen rejoint ici par Niklaus Rucci. Eh bien voilà, on va se battre au chronomètre tout à l'heure. Il y a une question que je voulais vous poser, Marcel, c'est on entend souvent quand on est cavalier, quand on apprend à monter à cheval et qu'on prend début des parcours, on nous dit que l'abord de la combinaison est évidemment très important et en général quand on rentre bien, ça aide à sortir. Est-ce que c'est vrai ? Si c'est trop bien et que les distances sont un peu courtes dans la combinaison, on peut aller à la faute aussi. Attention, c'est de rentrer avec un certain équilibre dans l'impulsion. Toujours, bien sûr, dans l'impulsion, de façon à ce que votre cheval puisse avoir suffisamment de détente pour sortir. Si vous avez un auxerre assez large pour sortir, il est certain que, bien sûr, il faut bien rentrer hein, partout. Il faut ajuster ses chevaux au mieux, sinon vous n'en sortez pas. Mais moi, je suis toujours à dire avancez, vous pouvez rectifier si vous êtes trop près. Mais si vous n'avancez pas, vous ne pouvez plus rectifier. Mais après, c'est trop compliqué à l'intérieur. Alors encore un cavalier avec beaucoup d'expérience évidemment, Daniel Deusser, vainqueur de la Coupe du Monde, vainqueur l'année dernière du top 10, il était quatrième hier soir de ce top 10 avec son crack cornet d'amour. Oui, cornet d'amour. Et il est ici avec le cheval avec qui il était champion d'Allemagne. Aïe aïe, 4 points. Cheval qui a un petit peu moins de métier. Hein. Deuxième faute quoi, ici. Mais il n'a pas beaucoup de métier, je crois, ce cheval. Et un cheval qui a moins de métier, qui était très inquiet par l'écran géant les premiers jours de compétition. Mais je ne sais pas si il ne doit pas avoir beaucoup d'expérience quand même. Mais il a des gros moyens. Hein. Oui. Ce sont des parcours de formation encore hein, pour lui. On sent le cheval qui est inquiet. 9 ans pour ce fils de Baloubet du Balou du Rouet, pas Baloubet, Balou du Rouet. Et donc 8 points à l'arrivée. Oui, mais même en fin de parcours, on le sent encore. Oui, il est inquiet, hein, anxieux le cheval. Un peu tendu comme ça. Ouais, tendu, voilà, c'est le mot. Bon, et alors là, on entend, même dans les micros, la foule en délire, les supporters et surtout les supportrices d'ailleurs, qui sont en haut des tribunes et qui agitent les drapeaux. Puisque vous le reconnaissez maintenant sur votre écran, c'est Steve Garda qui est en piste. C'est la coqueluche du concours. Concetto Son. Troisième hier soir du top 10. Avec une faute et un chronomètre extrêmement rapide. Il était un petit peu déçu hein, de ne pas avoir gagné ce top 10 devant son public. Oui, mais c'est ça le sport, malheureusement. Lorsque vous prenez des risques, on est bien sûr à la limite de la faute. Ce sont des choses qui arrivent. Eh oui, vous avez vu Pénélope qui a voulu avancer, tourner. Il y a une petite... petite incompréhension à un moment, ça dure une demi-seconde. On a eu l'impression que la jument regardait l'obstacle à côté. Ça tient un peu de choses.
C'est la faute à qui? C'est la faute à l'envie de gagner. Mais il la faut, cette envie de gagner. On n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. Alors, allez, Steve. Spa. Okay, voilà. Un cheval qui a bien mûri aussi, hein, ce oui. Concerto Son. Ah oui, oui. Attention. Ouh, on est un poil. Bien. Allez. Super pilote. Encore 4 sauts. Et c'est pas rien. Attention. On attend. Bien. L'Auxerre. Allez, ouais, jusqu'au bout, ça passe. Et troisième barragiste, puisque nous avons Bertram Allen, Niklaus Rucci et maintenant Steve Gerda au barrage de cette Coupe de Genève. Et Steve Gerda qui défendra son titre demain dans le Grand Prix. Hein. Ah oui, ah oui. Et qui adore Nino. Évidemment monter ici avec Nino. Et d'ailleurs, Nino est très en forme. Hein. Il est en forme. On l'a vu là ces dernières semaines, ouais. Assez préservé, sorti juste quand il faut. Il a préparé pour cet événement. Ouais. Ouais, Steve qui étant déjà en tête du classement Coupe du Monde au ouais. provisoire, donc il est déjà qualifié avec son nombre de points pour la finale de Las Vegas. Et donc il peut maintenant voilà, préparer le cheval juste pour des événements. Et demain est un événement, bien sûr. Allez, encore un jeune cavalier, il a 27 ans, Lorenzo De Luca pour l'Italie avec Voice de Longchamp, Angre SBS de 9 ans par Toulon. Toulon, oui. Petit-fils de Bonami, qui était le cheval que montait Eric Wouters. Ah oui, exact. Et Lorenzo De Luca qui, d'après les différents consultants qui m'ont rejoint ce week-end, est très très apprécié pour son équitation et pour... être un garçon aussi très sympathique, ce qui oui, est vrai. Très, très, très sympathique. Allez, attention, le double de verticaux. Oui. Bien. Très bien franchi ici. Et attention à cette ligne, qui est pour l'instant la ligne un peu fatale. Et... voilà, bonne faute. Allez, deux fautes. Voilà, les quatre sont tombés là dans cette ligne. Lorsque points. Ça se dérègle, on peut plus rien faire, oui, il abandonne. Ouais, et il préfère en rester là avant le quadruple, c'est certainement plus sage. C'était, on avait l'impression que le cheval vraiment l'emmenait un petit peu dans les combinaisons, se reculait pas oui, du tout. Le cheval, il se reculait pas du tout. Oui. Allez, on en regarde encore un ensemble et après je vous laisse partir pour aller voir Kébir. Ça vous va? Ou oui. Vous avez le temps? Non, c'est bon, je peux en regarder 2-3 encore. Allez, super, deux, super. Et on va regarder maintenant un champion du monde. Un champion du monde par équipe. C'était à Caen il y a quelques mois maintenant pour les Pays-Bas. Jur Vrieling avec la monture qu'il avait d'ailleurs pour ses Jeux équestres mondiaux. VDL Boubalou. Quelle forme ces Pays-Bas. Cavalier qui, les cavaliers de la même équipe qui remportaient après la Coupe incroyable. Des Nations à Barcelone. Incroyable. C'était vraiment l'année de l'équipe orange. Mais n'oubliez pas qu'il y a un double orange ici. On va voir si ça lui porte chance. Non, bah. Si c'est couleur. Avec un cheval, on ne cesse de le rappeler, qu'il y a une locomotion un peu atypique aussi. Oui, oui. Ils se connaissent très bien ces deux-là. Bien. Souvent désunis comme ça. Oui, mais il a un gros coup de dos. Il est... voilà, allez. Les couleurs hollandaises, on arrive. Le vertical. Oh, 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 il reprend très très, bon. Très fort. Super. Magnifique. Super. Magnifique, non? Très très bien. Pas de sursis en tout cas pour l'instant. Oui. Oh! Aïe, l'entrée. L'entrée de la combinaison. On s'attendait pas à cette faute. Non, absolument pas du pas. Tout. Distance avait l'air correcte. Le cheval est peut-être parti un peu de lui-même, je ne sais pas. Mais et en plus, il y a un point de temps. Un point de temps supplémentaire. Donc 5 à l'arrivée rien à pour Jur Vrieling. Et attention, parce que c'est quand même assez surprenant, mais Jur Vrieling n'est pas encore qualifié pour le Grand Prix. Ah, il n'est pas qualifié. Et là, ça va réduire nettement ses chances de participer demain au Grand Prix. Il lui restera une épreuve un peu plus tard, cet après-midi, en début de soirée, pour se qualifier. Mais j'imagine que ses plans sont un peu perturbés. Alors on a vu Steve Gerda, il y a presque autant de...
presque autant de bruit dans les tribunes quand c'est Martin Fuchs qui arrive, le vainqueur la semaine dernière du Grand Prix de Paris. Magnifique Grand Prix, il a fait un barrage exceptionnel. Il a une intelligence, ce jeune garçon aussi, qui est assez incroyable. 22 ans, il est choisi Clooney 51 ici. Lui, il est qualifié pour le Grand Prix demain. Il est grand, bon équilibre, c'est pas toujours facile. Avec une très bonne main, regardez, il suit bien ses chevaux, il est toujours en équilibre. Qui travaille bien sûr avec son champion de pair, oui, Thomas Fuchs. Tout à fait. Oh oh. Attention, il a tourné un peu court là. Oh. Et le cheval s'est très bien enroulé hein, autour du vertical. 4-5 poulets. Oh. Aïe aïe. Est-ce qu'il était qualifié? Oui, il est déjà qualifié, voilà. Martine. Eh oui, on voit ses cours et le cheval est un petit peu pris par son équilibre. Dans la trajectoire, hein. 8 points. Eh oui, deux fautes pour le jeune prodige suisse. Mais bon, ça n'enlève absolument rien à son talent, bien sûr. Bon, je vous laisserai après Simon de l'Est. Allez, on en reste encore... il en reste deux avant que vous nous laissiez pour aller rejoindre Abdelkébir Ouadar, bien sûr. Tout jeune et prometteur cheval de 8 ans avec lequel il a fait une très bonne saison. Je crois que c'est la première fois qu'il participe à une épreuve de double trip. Exactement. À Kébir, je crois, c'est la première fois. Ah bah oui, il l'a pas fait l'année dernière, hein, d'après mes souvenirs. Si, si, il est parti avec Porsche et il a abandonné au deuxième. Porsche du fruitier. Oui. Et il va redémarrer là, il a eu un petit pépin de santé. Et on va le revoir. Ah oui, il va redébuter en début d'année, il travaille normalement. Mais j'ai préféré être un peu prudent et prolonger plutôt la convalescence. Ouais, parce qu'en plus, Kébir a quand même d'autres chevaux avec lesquels ça se passe très bien. Évidemment, il y a Weekly. Tout à fait. Il nous manque. J'aime bien Porsche. Il est compétitif, il est sympa. Un cheval avec lequel on a découvert Kébir au plus haut niveau, nous. Exactement. Et en attendant, c'est Pierre Colli là, qui est en piste pour la Suisse. C'est prêt, Cavalier Roman, il est venu complètement en dessous de ce vertical. Trop près. Est-ce qu'il a voulu trop bien faire? Et après, il a été obligé de monter fort le double et il fait la sortie. Et tout se tient... Parfois, ça se tient une demi-seconde. Hein. Oui, puis garder bien son centre de gravité. Là. Voilà, ça c'est bien. Parfait, ça. Magnifique franchissement du quadruple, mais malheureusement, deux fautes dans cette ligne 4-5. Et donc, eh bien, on en reste à 8 points et toujours 3 barragistes. Hein. Oui, 3 barragistes. Bertram Allen pour l'Irlande et 2 Suisses, Niklaus Rucci et Steve Gerda. Allez, on va essayer d'avoir un Français quand même. Allez. Aussi dans ce barrage. Pourquoi pas Simon? Et pourquoi pas Simon Delestre, vice-champion du monde à Caen, évidemment avec l'équipe de France. Il a choisi ici Stardust Quinon, une jument de 8 ans par Calvaro. C'est plus une jument de vitesse en général. Oui. Et en principe, il la prend comme jument de vitesse. Donc ça va être intéressant de voir comment elle se comporte dans les combinaisons. Simon, il est qualifié? Et Simon, il n'est pas qualifié en plus. Ah, il faut sortir un sans faute, Simon. Parce qu'il a fait 4 points dans le Grand Prix de jeudi soir avec Ryan De Hayet. Oh oh. Oh oh. Wow. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Oula, oula, c'est très près aussi. Oh, ça sort pas. Ouais. Et il va préférer aussi abandonner, Simon. Mais vous l'avez bien dit, c'est une jument de vitesse. Ah non, 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 il abandonne pas. Il y va, pardon. Pas lever la main du tout. Pour les chevaux, ça les surprend un peu. Hein. Tout de suite, en numéro 2, une combinaison. Des chevaux qui n'ont pas un métier de grand prix. Puis on enchaîne double de droit, derrière double de large. Tout à fait, c'est pas évident. Il en profite pour lui donner de l'expérience. Voilà. Attention, ici c'est court, mais très bien réagi. Et magnifique pour finir. Le score à l'arrivée est lourd, bien entendu. Deux fautes, une volte, ça fait 15 points quand on ajoute le temps dépassé. Bon, bah, toujours pas de Français au barrage. Vous m'excuserez. Et on aura peut-être un Marocain? Ça va être dur. Bon, il faut y croire. Non, moi j'y crois. Il faut y lui croire. Aussi. Merci Marcel, merci beaucoup. Et on va laisser donc maintenant Marcel rejoindre évidemment son élève. Abdelkébir Ouadar qui passera d'ici une vingtaine de chevaux maintenant. On en reste donc, comme on l'a dit, à 3 barragistes.
et Bertram Allen, Niklaus Rucci et Steve Gerda, donc deux Suisses, un Irlandais pour l'instant au barrage, et peut-être, qui sait, un autre Suisse en la personne de Vincent Deller, alors que j'accueille maintenant avec moi l'une des voix de ce concours de Genève ici à Palais Expo, François Besançon. Bonjour François. Bonjour, voix, c'est un grand mot parce que j'en ai bientôt plus. Je vais essayer de ne pas trop vous solliciter. Quand vous voyez que vous ne pouvez plus, vous me faites un signe. Cela étant, j'arrive à point nommé parce que c'est Vincent Deller en piste, cavalier genevois. Le local Renfil. De l'étape. Absolument. De la Renfil, là où on monte aussi un jeune talent, je crois, de l'équitation suisse. Laetitia Ducouédic, absolument. Vincent, très bon cette saison avec cette jument. 12e au championnat suisse élite, très très bon résultat. Et puis très bon classement à Verbier en CSI 3 étoiles. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie, un petit peu trop à la bordeuse double peut-être. C'est gros. C'est long. Hein. Bien rectifié en tout cas à l'intérieur. Une jument qui est très réactive. Mais on voit très chaude. Qui cherche vraiment à aller vers l'avant. Aller jusqu'au bout. Magnifique en tout cas pour finir. Et vous avez suivi, hein, je vous ai regardé aussi ce début d'épreuve. On voit que ce double numéro 4, le double orange. Délicat. Et peut-être le juge de paix de ce parcours. Et ça coûte cher, en tout cas, à Vincent Deller, le jeune voix, puisqu'il sort avec un point. On l'a vu, un bon chrono, mais ça n'y changera rien. Et malheureusement, non, c'est la 9e place pour lui pour l'instant, parce que l'essentiel, c'est bien sûr d'être sans faute. Allez, un cavalier qu'on a l'habitude de voir aussi, bien sûr, à Genève et sur les plus beaux événements du monde. Il a le record de participation en finale Coupe du Monde. 22 finales Coupe du Monde à son actif. Il est champion d'Europe par équipe avec la Grande-Bretagne, Michael Whittaker, qui a choisi ici sa meilleure monture du week-end. En tout cas, celle avec laquelle il a remporté beaucoup de succès, c'est Viking, qui n'est pas le cheval le plus simple tout le temps. 12 ans pour ce Hongre, fils de Jacomar. Et parce que Michael n'est pas qualifié encore pour le Grand Prix. Certaines têtes d'affiche qui doivent encore aller chercher cette qualification. Et même quand on travaille vraiment bien dans le virage, on voit que parfois ça ne suffit pas. Il avait pourtant écarté hein, ici avant ce double orange et encore une fois le vertical d'entrée. On voit d'ailleurs à l'inverse que le quadruple fait bien moins de fautes. Ouais. Et pourtant il y a une distance très courte hein, aussi à l'intérieur de ce quadruple, mais les chevaux s'en sortent très très bien, très peu de fautes sur ce quadruple Rolex. 4 points donc pour le Britannique Michael Whittaker. Alors, juste pour vous signaler que parmi les 3 barragistes, c'est-à-dire Bertram Allen, Niklaus Rucci et Steve Gerda, seul Niklaus Rucci n'était pas encore qualifié pour le Grand Prix. Donc pour lui, c'est une excellente opération. C'est une belle option. Mais peut-être qu'avec 4 points, on arrivera à être parmi ces 5 cavaliers qui doivent aller chercher une place. Lui aussi doit aller chercher sa place pour demain dans le Grand Prix Rolex. C'est l'Irlandais Billy Toomey. 11e de l'étape Coupe du Monde de Lyon il y a quelques semaines avec ce même cheval, Diaghilev. Il a eu beaucoup de réussite ces dernières semaines avec ce cheval. Qu'il a mis du temps à emmener au meilleur niveau, qui est maintenant en quelque sorte sa monture de tête. Ce cheval de 11 ans par Vangelis S. Pour l'instant, un parcours en tout cas qui est bien dosé hein, par les chefs de piste Gérard Lachat et Luc Musette, puisqu'on a 300 fautes et on en est au 17e départ déjà. Donc pas si facile. Hein. Ça promet encore du beau sport pour la suite. Et c'est passé. Il ne reste maintenant que le quadruple. Sera-t-il le quatrième ?
C'est en tout cas bien rentré. Magnifique. 46-13, on est dans le temps. Eh bien, nous aurons deux chances irlandaises au barrage avec Billy Toomey qui rejoint Bertram Allen. Deux Irlandais et deux Suisses. Avec une nouvelle chance suisse à l'instant, puisqu'on a Werner Mouffe, nos cavaliers olympiques de Londres en 2012, avec un étalon. Palender, né en 2005. Werner Mouffe, il s'est déjà illustré ce matin dans une épreuve très sympathique, et le prix des espoirs, un relais cheval poney qu'il a emporté en partant numéro 1. Toujours une épreuve sympa ici, avec ces champions qui accompagnent ces jeunes cavaliers poney. Et il y a même gagné un vélo, donc le cas échéant, il a de toute façon un moyen de retenir. Le camion peut tomber en panne. Werner Mouffe donc avec Polender, lui non plus n'est pas encore qualifié pour le Grand Prix de demain. Oh, attention, on a vu la baralasse. Le cheval a eu un petit peu de mal à s'enclencher, sortie de virage, dos au paddock et à la porte d'entrée. C'était assez moyen et donc ça se dérègle un peu parce qu'on voit que le cavalier l'a bien remis en avant. Malheureusement, cette deuxième faute, ça va lui coûter très très cher. Et attention, on se retrouve encore une fois dos au paddock. Mais comme Marcel Rosier le disait, c'est plus simple pour aborder ce quadruple parce que les chevaux sont déjà enclenchés dans le parcours. Et donc, très bonne fin de parcours, mais de faute, 8 points. Et comme vous le disiez, pas qualifié encore pour dimanche, il lui restera une chance ce soir. Oui, il ne reste plus qu'une chance après cette Coupe de Genève pour se qualifier. Il y aura la pression au départ. Et comme certains autres, parce qu'avec 8 points, en tout cas, il ne fera pas partie des 5 que l'on va retenir aujourd'hui. C'est déjà une certitude. Alors que Henrik von Kerman, qui arrive maintenant, ce très fin cavalier suédois, lui, il est qualifié. Il peut jouer une carte toute différente dans cette épreuve de combinaison. Oui, et il a choisi en plus sa meilleure cartouche, puisque c'est Gotha qui accompagne Henrik von Kerman ici, cette jument de 13 ans, la fille de Goldfever, bien sûr, les talons olympiques de Ludger Berbaum, son compagnon d'écurie. Pour la Suède, donc Henrik von Eckermann. Avec cette jument qui est toujours très très volontaire, on la voit à quelques foulées des obstacles tirés vraiment pour emmener son cavalier. On a vu avoir besoin d'ouvrir beaucoup plus largement son virage que les autres. Entre le 1 et le 2. Et attention ici que la jument ne se traverse pas trop. Attention, bien. Et la Suède qui pourrait donc, au bout de cette ligne, s'inviter au barrage. Et c'est fait! Une troisième nation qui se joint au concert pour le barrage après l'Irlande et la Suisse. Les couleurs suédoises seront aussi au barrage et donc cinquième cavalier à se qualifier qui succédera à Peter De Vos. Et bien pour l'instant on a 5 candidats potentiels, Peter De Vos que l'on verra un petit peu plus tard dans cette épreuve avec le même cheval d'ailleurs que l'année dernière, Dream of India Greenfield. On approche de la moitié maintenant de ce tour initial, de la mi-parcours. Et c'est la Belgique qui arrive avec Grégory Watley, 13e cavalier mondial. Beaucoup, beaucoup de réussite pour lui aussi ces derniers temps. Eldorado van het Viverhof. Mais pas encore de top performance depuis jeudi ici, des classements, mais rien d'extraordinaire, c'est peut-être pour maintenant. Et on espère pour lui parce que pour l'instant, son nom ne fait pas partie des qualifiés pour le Grand Prix. Un étalon qui était un tout petit peu inquiet le premier jour sur cette grande piste de Palexpo, qui a l'air de beaucoup mieux sauter déjà que jeudi. Oh. Et là, il a tellement soigné le passage des antérieurs que sur les postérieurs
qui font tomber ce premier obstacle du double numéro 4. Il faut vraiment rester à 4 points si on veut avoir une chance peut-être d'être repêché. 4 points, 45-65, il est 10e pour l'instant. Quelle déception pour Grégory, ça serait quand même terrible de ne pas l'avoir dimanche. Ah oui, on aimerait bien l'avoir. C'est un cavalier qu'on aime bien, il est spectaculaire, il est rapide, il est toujours à la gagne. Et vous l'avez dit, il est 13e mondial. En plus. Ne pas l'avoir, ça serait une surprise. Et voici maintenant Yannicka Sprunker. Alors, elle est déjà qualifiée, Yannicka, donc pas de souci. Et elle monte celui qui a été longtemps son cheval de tête, Tamboy, un KVPN de 2001. Odermus, c'est son père. Et Yannicka qui n'a pas remis son titre en jeu hier dans la grande chasse. Mais pourquoi pas avoir son nom palmarès de cette Coupe de Genève. On l'a vu dans le barrage d'un jeudi soir du Grand Prix Crédit Suisse avec son autre cheval, Harris. Ah, c'est très bien fait, ça. Encore un couple qui se connaît par cœur, depuis longtemps ensemble. Non, une faute à l'entrée. Comme Jur Vrieling tout à l'heure pour les Pays-Bas, Yannicka Sprunker qui faute sur l'entrée de cette dernière ligne et qui donc n'ajoutera pas son nom au palmarès de la Coupe de Genève. 4 points, la 10e place au provisoire. Bon, la qualification pour le Grand Prix est déjà assurée. Et un Grand Prix dans lequel elle montera très certainement Harris d'ailleurs. Allez, quelques images du public. Bonjour. Vous voyez que les tribunes sont pleines. Cette troisième journée de compétition. Et en plus, pour venir voir l'un des tout meilleurs cavaliers du monde. Il était dans le top 10 hier soir. Ça s'est pas passé comme il l'aurait voulu. Avec Coronado, son crack gris. Mais là, il a choisi un autre phénomène. Singular LS. Là, il a 8 ans seulement. Cheval qu'il a récupéré chez Maria Gretzer, la cavalière suédoise, après l'année de ses 7 ans. Cheval qui a un petit peu de caractère, on le voit un petit peu foyer de la queue, baisser les oreilles, mais qui a une qualité de saut incroyable. Fils de Chapultepec Lassila. C'est bizarre, quand on voit Marcus Henning, ça a toujours l'air facile. C'est exactement cela. Ah, touchette à l'entrée, attention. C'est et super. Ça passe, magnifique. Et on est tout juste dans le temps, c'est 48 secondes pour finir le parcours. Il est en 47-40, mais ça suffit largement pour être le sixième barragiste. Et donc l'Allemagne qui vient rejoindre l'Irlande, la Suisse. Et la Suède. J'allais dire à Marcus Henning qui serait ravi de mettre son nom au palmarès de cette épreuve, mais il l'a déjà gagné. C'était en 2003, je n'étais pas remonté assez loin dans la liste. Exactement. C'était en 2003 avec Nob Savage. Alors, on a la Suisse, on a l'Irlande, on a la Suède, on a l'Allemagne. On aimerait bien avoir la France aussi, et pourquoi pas avec Jérôme Hurel. Avec Quartz Rouge, son meilleur étalon aussi du moment. Ce fils de Ultimo Wantermuth, PWP, mais Quartz Rouge est bien celle français. Malheureux jeudi soir, on le répète, puisqu'il a chuté au barrage. Et c'est ce qui lui a coûté d'ailleurs sa non-qualification pour le Grand Prix. Une chute très spectaculaire, heureusement sans gravité. Mais sans gravité. Puis Jérôme est dur au mal, comme on dit. Il a l'habitude de tout monter. Il monte aussi bien des chevaux de Grand Prix que beaucoup de jeunes chevaux. Il en a vu d'autres. Et on va voir justement comment Quartz réagit dans cette épreuve des combinaisons. Un cheval qui a énormément de moyens, mais aussi énormément d'action. Donc attention dans les combinaisons un tout petit peu courtes. Pour l'instant, tout se passe bien. Jérôme qui resserre la difficulté ici, sans doute pour lui.
Ah, ça touche, mais ça tient. Et attention à la sortie. Parfait. Oh, il rentre un petit peu grand ici, mais ça passe pour l'instant. La distance est courte, mais c'est bon. Et la France qui sera aussi au barrage de cette épreuve des combinaisons, cette Coupe de Genève. Et surtout, on peut envisager que Jérôme, tout comme Nicolas Rucci, puisse se qualifier maintenant pour le Grand Prix de demain. Rien n'est fait, mais enfin, c'est bien parti. Absolument. Sept paires, hein, maintenant qualifiées pour ce barrage. Donc l'épreuve s'emballe. On avait le sentiment tout d'un coup qu'on restera plutôt en dessous des 10 dans cette Coupe de Genève. Ouais. Ça ne sera sans doute pas le cas. Ouais, cette paire, cette couple, et on est à la moitié de l'épreuve. On vient de dépasser la moitié de l'épreuve. Anne Cavalière, que vous connaissez bien ici en Suisse, évidemment, Anna Julia Contio pour la Finlande, mais qui est basée en Suisse. Travaille avec Thomas Fuchs aussi et puis son petit ami Martine. Et elle a choisi ici Fardon, fils de Corland. C'est bien ça, hein. Attention, un petit peu près ici. C'est très bien même. Cavalière qui a pris beaucoup d'expérience aussi hein, ces derniers mois, notamment en participant aux Jeux mondiaux avec l'équipe de Finlande. Alors, est-ce qu'elle fera mieux que Martin Fuchs? C'est clair. Eh bien oui, parfait. Hey. Huitième couple au barrage et la Finlande, donc, que l'on retrouvera aussi tout à l'heure. Anna Julia Contio qui rejoint au barrage, si vous nous retrouvez en ce moment, Jérôme Hurel, Markus Henning, Henrik von Eckermann, Billy Toomey, Steve Gerda, Niklaus Rucci et Bertram Allen. Et qui a vengé Martin Fuchs, assez malheureux avec son clowny tout à l'heure et ses 8 points. Donc il y aura deux élèves, entre guillemets, on va dire, de Thomas Fuchs, puisque Steve Gerda travaille aussi avec Thomas. Et donc évidemment Anna Julia Contio. Il a mis le feu hier soir pour finir la deuxième journée de Palais Expo. Piusz Fitzer a remporté la grande chasse. Et il est ici avec Armani The Gun, un cheval suisse. Qui était d'ailleurs aussi aux Jeux mondiaux, ce cheval, avec l'équipe de Finlande, montée par Maju Malat. Et récupéré donc maintenant par Pius. Et attention, puisque Pius n'est pas qualifié pour le Grand Prix. Et ne pas avoir Piusz Fitzer dans le Grand Prix de Genève. Ce n'est pas possible. On a du mal à l'imaginer. Ce n'est pas possible. Risque de faire mal et de coûter cher cette faute sur la sortie du double numéro 5. Il faudrait pas en faire une deuxième, Pius. Alors, on reste à 4. C'est très rapide. Il est dixième. Pour l'instant. Et il est dixième. Parmi les non qualifiés. On va essayer de calculer comme il y ça. Il n'y a que Feshore qui a été plus vite que lui dans les 4 points. Et Feshore, est-ce qu'elle a le droit de participer au Grand Prix ici? Je n'en suis pas sûr. On va chercher l'info. En tout cas, Niklaus Rucci, sûr, lui, est devant. Jérôme Hurel aussi. Il faut qu'on regarde pour Anna Julia Contio et pour Feshore pour savoir si elles peuvent se qualifier pour le Grand Prix ou pas. Bon, c'est pas complètement perdu, en tout cas pour Piusz Fitzer pour l'instant. Et qui laisse la place à Michael van der Vleuten. Qui lui aussi a fait sa première finale top 10 hier soir avec Verdi, et cinquième de ce top 10. Et ici, il est avec VDL Group Arera C, une autre de ses bonnes montures.
Michael qui lui est qualifié pour le Grand Prix de demain. Dixième au classement mondial, champion du monde par équipe, vainqueur de la finale Coupe du Monde, de la finale de la Coupe des Nations avec l'équipe des Pays-Bas, c'était à Barcelone, et qui pour l'instant réalise lui aussi une excellente opération. Attention à ce quadruple, attention au passage des postérieurs justement. Ça descendait un peu et ça descend un peu trop vite sur l'Auxerre placé en troisième position de ce quadruple. Et Michael van der Vleuten qui ne permet pas aux Pays-Bas d'être du barrage pour l'instant. Mais on aura peut-être les États-Unis puisqu'on a Reid Kessler qui sera le prochain départ dans cette épreuve de combinaison. Elle non plus n'est pas qualifiée. Et c'est pour ça qu'elle a mis sa meilleure jument. Exactement, sa KVPN Silana. Couple qui était deuxième du Grand Prix de Calgary, qui a fait ses premiers Jeux Olympiques à seulement 18 ans, c'était à Londres, qui est passé du système Cathy et Henri Prudhon à celui de Markus Henning, qui est donc basé la plupart du temps en Allemagne, même si elle doit normalement repartir en Westphalie, hein, un petit peu au nord de Düsseldorf. Et elle doit repartir normalement d'ici quelques semaines maintenant en Floride pour aller faire un petit peu la tournée de l'Est des États-Unis. Et malheureusement, ça ne tient pas pour Reid Kessler. Alors, force est de constater que ceux qui ont sorti leur meilleure monture pour se qualifier jusqu'ici n'ont pas eu grand succès. À part Jérôme Hurel. C'est vrai. Pour l'instant, ça ne paye pas. Une deuxième faute. Et ça, en revanche, pour Reid Kessler, ça va être très problématique. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, mon cher François, ça veut dire beaucoup de pression ce soir. Alors même si elle a l'habitude de la pression, les places seront très chères. 8 points pour Reid Kessler. On a même l'habitude de dire qu'elle en a pas, elle. Oui. Ça la transcende en général, donc on verra. En voilà une autre qui était patente depuis le début du concours et toute dont on ne voit pas la pression. Hein, et il monte pour l'Allemagne, Kaya Lüthi, avec son Hongre Selle-Français, prêt à tout. Un fils de Hiram Chambertin, 11 ans. Et non, c'est Claudia Gisler qui est en piste pour l'instant. Alors on a un petit changement. Sur notre liste de départ, on devait avoir Kaya Lüthi, puis Kevin Stout, et on passe tout de suite à Claudia Gisler. Alors, est-ce qu'il y a eu un petit souci au paddock pour Kaya et Kevin, on va voir s'ils passent après. En tout cas, c'est Claudia Gisler, donc pour la Suisse. Oui, c'est bien elle. Avec Cordel. C'est bien elle, ça c'est clair. Fils de Katoki. Les talons que montait, bien sûr, Philippe Weishaupt. Claudia Gisler, qu'on a bien connue avec Touchable aussi. Elle est championne suisse en 2010, à la surprise générale. Ce qui lui avait permis après d'avoir des accès en Coupe des Nations notamment. Absolument. Et elle a remporté d'ailleurs une épreuve ce matin de vitesse avec Touchable, à un rythme incroyable, je crois 2 secondes devant Pio Schwitzer. Alors oui, battre Pio Schwitzer de 2 secondes, c'est déjà un exploit. Oh, faute de couverture ici sur l'entrée de ce double. Et ce quadruple Rolex pour finir. Eh oui, malheureusement. Mais elle est rapide. 4 points donc. Elle est rapide. Elle va se retrouver donc en 13e position pour l'instant. Et derrière quand même Pio Schwitzer, derrière Lucy Davis et derrière Michael Whittaker qui eux non plus n'étaient pas qualifiés. Donc de toute façon pour Claudia Gisler, ce ne sera pas possible de se qualifier sur cette épreuve des combinaisons non plus. Alors, on repart en Irlande maintenant. L'Irlande qui a déjà 2 cartouches au barrage, Bertram Allen et Billy Toomey. Pourquoi pas avec Cameron Hanley, avec Newton Duhaubois, un cheval qu'il a mis hier dans la grande chasse, avec lequel il est allé très vite.
Il est fautif, mais il est quatrième juste derrière Martin Fuchs. Et c'est assez amusant de voir que justement les cavaliers choisissent de mettre leurs chevaux dans une épreuve comme la chasse où il faut aller très vite, et une épreuve comme ça où au contraire il faut que les chevaux se reculent. Mais c'est un cheval qui a énormément de moyens. On était même assez surpris avec Marie et Terre Pellegrin hier de voir qu'il pouvait aller aussi vite. On a plus l'habitude de le voir dans ce genre d'épreuve. Alors c'est un cavalier qui traditionnellement va vite, c'est vrai. Comme beaucoup d'Irlandais. C'est vrai, c'est vrai. Cette monte en avançant. Cheval qui appartient d'ailleurs à Eleanor Pachou et Yves Bouvier qui sont établis à Genève. Aïe, aïe, aïe. Une faute sur le premier double de cette ligne et puis sur le deuxième. Il ne sera pas au classement de cette coupe des combinaisons. Non, mais lui est déjà... Mais sa qualification pour dimanche, il l'a. Et une bonne expérience en tout cas pour ce cheval. Newton du Hautbois, le fils de Cumano. Mais bon, deux fautes, 8 points, et donc on reste toujours à 8 barragistes. Alors effectivement, ça semble confirmer que Kaya Luthi et Kevin Stout étaient non partants de dernière minute, ouais, puisqu'on n'en avait pas été informé, puisqu'on retrouve là un cavalier suédois qui est pour la première fois présent à Palexpo avec Casello, un Hongre Holstein de 2003. C'est Douglas Lindelof. Et Douglas qui a eu quelques petites mésaventures jeudi soir dans le Crédit Suisse Grand Prix, qui n'a pas monté du tout hier. Et qui revient donc maintenant sur cette piste de Palexpo pour tenter de se qualifier pour le Grand Prix avec son meilleur cheval, donc ce fils de Casal. Septième à Oslo, septième de l'épreuve Coupe du Monde d'Oslo cette année. Et vous avez devant vous le champion d'Europe jeune cavalier 2010, qui malheureusement est à la faute. Une faute à son actif. Et vous voyez qu'ici, il remet un petit coup d'accélérateur avant le quadruple. Le chrono va jouer aussi, hein. Peut-être pour lui. Il ne sera pas assez rapide en tout cas. Il va être... Ça suffira pas. Il va être pour l'instant 14e. Non, il est derrière, juste derrière Claudia Gisler, justement. 14e position pour Douglas Lindelof, qui lui aussi va avoir du mal à se qualifier pour demain. Et donc, on en reste avec un seul Suédois au barrage, en la personne de Henrik von Eckermann. Allez, la Suisse de nouveau avec cette cavalière qui va jouer sa qualification sur les deux épreuves aujourd'hui avec Céleste 26. Ici, elle montera Capoeira ce soir, Nadia Peter Steiner. Et ce couple avait d'ailleurs remporté il y a quelques semaines le Grand Prix de Rabat au Maroc. Une cavalière suisse-alémanique, mais basée en France, pas très loin d'ici, dans la Bresse. Oui, mais qui va déménager. Exactement. Et qui va se retrouver en région parisienne d'ici le début de l'année 2015. Excellente cavalière. Troisième du Grand Prix aussi de Fontainebleau, 4 étoiles, en juin dernier. Et encore une fille de Casal, hein, d'ailleurs. C'est très bien fait. Ouais. Sinon, et elle a remis une foulée. Ouais. Elle a remis une foulée, Nadia. Un choix qui lui coûte cher. Hein. Qui se retrouve très très près là de cette combinaison en bout de ligne. Ah, quel dommage. Pas très rapide non plus. Non, quel dommage, parce que... Oh, c'est magnifique. C'est vraiment une petite erreur dans ce magnifique tour qu'elle a accompli avec Céleste. Aïe, aïe, aïe. Ouais, et je pense que Nadia, là, s'en veut un peu.
La jument était un petit peu trop près, n'a pas réussi à avoir le... Elle aussi, il lui restera une cartouche ce soir avec Capreur. Ouais. Exactement. Et, voilà, on vous avait dit tout à l'heure que Marcel Rosier devait aller au paddock d'entraînement. Je pense que c'était pour le cavalier qui nous vient. Mais bien sûr, c'est pour son élève qui a déjà remporté une épreuve ici le premier jour avec Cordano Site Z. Il est ici avec Québec Tam. Alors Marcel Rosier nous a dit que ça allait être un peu difficile. On le voit en bord de piste là-bas sur le Kiss and Cry. Abdelkébir Ouadar pour le Maroc avec ce cheval qui appartient comme tous ses chevaux d'ailleurs au roi du Maroc. Ce fils de Fort Pleasure. Beaucoup de moyens. Et pas tout le contrôle toujours. C'est ici que ça peut être compliqué. C'est pas mal fait. Hein. Oula, attention, pas trop fort quand même. Retrouver du sang-froid ici pour cette dernière ligne. Il paraît vite. Oui. Et oui, peut-être un petit peu trop vite pour rentrer dans ce quadruple et deux fautes à l'intérieur. Aïe. Bon, Abdelkébir qui évidemment ne sera pas du barrage, mais qui en revanche sera dans le Grand Prix demain, puisqu'il avait réalisé une très bonne performance jeudi soir avec Quickly de Kresker en étant sixième du barrage. Sixième du barrage avec 4 points, si ma mémoire est bonne, au barrage. Non, sans faute au barrage. Ouais, sans faute, mais alors très très vite quand même. Alors, on devait avoir la Slovaquie au départ, mais ce n'est pas Bronislav Chudiba, bien sûr, c'est Paul Esterman qui est présent. Le cavalier lucernois, lui, déjà qualifié pour le Grand Prix de dimanche, qui monte un étalon de 2000 propriétés d'un genevois, Arturo Fasana, Maloubet du Temple. Fils de Maloubet du Rouet, qu'il avait d'ailleurs dans la grande chasse hier soir, lui aussi. Et là, après deux fautes, il préfère y renoncer. Décision de sagesse pour laisser son cheval sur une bonne note. Alors, Luderbo maintenant, rien que ça. Le cavalier le plus titré au monde en solo obstacle et qui a choisi d'ailleurs ici sa meilleure monture, celle qu'il avait aux Jeux mondiaux, où l'Allemagne était malheureusement déçue de sa quatrième place. Mais bon, ils en ont déjà gagné tellement, il fallait laisser la place un petit peu aux autres à ce moment-là. Ludger Berbaum qui a donc choisi Chiara ici, cette fille de contender. Il avait plutôt privilégié Chaman sur les deux premiers jours de compétition ici. Et peut-être qu'il pense à Chiara donc pour le Grand Prix de demain. On l'a vu aussi très performant avec Leonidas. Ouais. Une victoire, une troisième place. Oui, il fait un bon week-end, Ludger, mais il n'y aura pas de barrage ici. Il était deuxième, hein, d'ailleurs, jeudi soir du Crédit Suisse Grand Prix avec Chaman. Et lui aussi tourne à droite après le... Il renonce, Ludger. Le numéro 5, il n'ira pas sur le quadruple. Et il laisse sa place à un cavalier transalpin, qualifié lui pour déjà pour le Grand Prix de dimanche, qui monte... Ah, qu'est-ce que tu fais ? Mais si, il y va ? Il y va. Ah, mais il y va quand même, bon. Eh ben non, il ne cède pas encore sa place tout de suite, alors. C'est pas le genre du bonhomme. Bon, et on finit avec des bons sauts sur le quadruple. Bon, le temps dépassé, évidemment, puisqu'on s'est baladé un petit peu sur la piste. 15 points à l'arrivée et certainement un tour de travail donc pour Ludger Berbaum. Et je le disais, il cède sa place à un cavalier italien, Pier Giorgio Pucci, qualifié déjà lui pour le Grand Prix de dimanche, ouais. Qui monte Casalo Z. Son meilleur cheval. Casal, exactement.
Encore un fils de Casal. Alors on voit c'est beaucoup, le troisième, de, je crois. Beaucoup je crois de Casal, on voit beaucoup de Cornetto Bolanski aussi depuis le début de ce concours à Genève. Magnifique cheval. Et on voit qu'il passe à côté de ce double numéro 3 près du lac où il y a beaucoup de décorations. Parce que lui aussi avait choisi son autre cheval hein, jusque-là pour les plus grosses épreuves, c'est-à-dire Catwalk Z, avec lequel il s'est qualifié jeudi soir dans le Crédit Suisse Grand Prix. Et pour mettre un petit peu, pour préserver un petit peu Casalo, peut-être en vue du Grand Prix de demain aussi. On va voir sa performance maintenant dans cette épreuve des combinaisons. Et on a toujours que 800 fautes. Hein. Nous ne sommes toujours qu'à 800 fautes. C'est une bonne dizaine de cavaliers que le compteur s'est arrêté. Ouais, qui ne nous ont pas offert de parcours sans pénalité. Et Pierre Giorgio. Bucci donc pour l'Italie. Elle va peut-être faire comme tout à l'heure Anna Giulia Concio, c'est-à-dire sauver l'honneur de sa moitié, puisque Yannicka Sprunger, elle n'est pas au barrage. Très très bien ici. Ça se passe très sereinement. Foulée un petit peu longue hein, pour l'entrée dans ce quadruple. Mais le cheval se reprend très bien à l'intérieur. Magnifique. Super. Et bien voilà, on disait qu'on avait plus de 100 fautes. Il suffisait de le dire peut-être et de les appeler. L'Italie arrive donc maintenant au barrage. Et Pier Giorgio Bucci qui sera le 9e à partir tout à l'heure. Et il y a une nation qui nous manque encore dans ce barrage, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne à qui il ne reste plus qu'une cartouche maintenant. Et c'est tout simplement le couple qui remportait l'étape Coupe du Monde de Stuttgart qui maintenant arrive sur la piste. William Whittaker avec Fandango. Et attention, puisque lui aussi doit jouer sa qualification ici. Mais c'est pas Fandango. Si, c'est Fandango. C'est pas le cheval qu'on avait sur les listes, mais il me semblait bien l'avoir reconnu avec sa bride. Qui a donc décidé de changer de cheval pour mettre sa meilleure cartouche ici, pour se qualifier pour le Grand Prix Rolex de demain. Très très fine hein, pour ce jeune britannique, mais déjà beaucoup beaucoup de résultats, et notamment dans ses années de jeune cavalier lui aussi. Très bonne reprise avant ce double. Et il la veut, sa qualification. Il la veut, il soigne tous les détails, il a compris qu'il n'y a que le sans faute qui lui l'amènera visiblement avec 900 fautes déjà. Allez, plus qu'un, et ça touche, ouh, mais ça tient. 46-40, on est dans le temps, dixième à se qualifier donc pour ce barrage. Eh bien, il est exactement dans le même cas que Niklaus Rucci et que Jérôme Hurel. Ça veut dire que pour lui, ça sent bon pour la qualification pour le Grand Prix. On fait un petit récap des barragistes pour l'instant. Bertram Allen, Niklaus Rucci, Steve Gerda, Billy Toomey, Henrik von Eckermann, Markus Henning, Jérôme Hurel, Anna Julia Concio, Pier Giorgio Bucci et William Whittaker. On a déjà des sérieux clients. Et voici maintenant un autre Irlandais. Alors il y en a déjà deux au barrage, pourquoi pas un troisième. On le connaît un petit peu moins celui-là, Thomas Ryan avec Quite Zero. Qui a brillé, comme est en train de le dire Alban Poudré au micro ici sur la piste de Pal Expo, chez lui au CSIO de Dublin. Et qui donc arrive maintenant dans l'équipe première d'Irlande. Et il est ici avec ce fils de Quite Capital.
cheval qui saute très bien pour l'instant, très à l'écoute. Attention ici. Vite. Eh oui. Alors il... il augmente clairement sa cadence. Oui, c'est un risque, attention, mais le cheval répond bien, ouais. Lui aussi, 4 points, et c'est le plus rapide. Non, il est derrière, je crois, Ah non, il est derrière Feyshore. Ouais, 42 secondes 95 pour Feyshore, 43-25 pour Thomas Ryan, le 12e rang pour l'instant pour cet Irlandais. Et l'on en reste donc à 10 couples pour le barrage. Et il nous en reste 5. Et le cavalier qui nous vient, nonobstant son nom et ses résultats, il n'est pas qualifié pour dimanche. Et oui, vous allez le voir apparaître sur vos écrans dans quelques instants. Hans-Dieter Dreher avec coloré les talons de 12 ans par contender. Pas trop de réussite, Hans-Dieter Dreher, hein, pour l'instant dans ce concours genevois. Il peut se dire qu'il lui restera encore une chance ce soir, puisqu'il avait remporté l'année dernière le Geneva Classic, la grosse épreuve du samedi soir, avec ce même coloré. Exactement, mais là il l'a choisi donc pour l'épreuve des combinaisons, il ne le montrera pas ce soir. Exactement. Mais son écurie est fournie. Oh là là là. Et là aussi, on a vu un cheval qui n'était pas exactement à son affaire dans la courbe qui l'emmène sur le numéro 1. Et un abord un tout petit peu compliqué donc. Un cheval qui s'est perché sur cet auxerre numéro 1 et donc déjà 4 points. Ça va pas faire les affaires de Hans-Dieter Dreher. Une deuxième faute. Il va quand même terminer le parcours lui aussi, malgré les deux fautes déjà accumulées. Et on en reste là donc, 8 points de faute pour l'Allemand. Et il n'y aura donc qu'un seul Allemand au barrage en la personne de Markus Henning. Il nous reste un Suisse, un Belge, une Portugaise et un Néerlandais. Et pour ce qui est du Suisse, c'est un cavalier genevois au bénéfice du Nouvelle Garde, un habitué de Palexpo. Il a déjà eu plusieurs fois l'occasion de fouler ses pouces de... cette piste de Palexpo, c'est un vrai amateur, Pierre Brunschwig. Eh bien non, parce qu'apparemment... il n'est pas là. Il a lui aussi décidé de renoncer à prendre le départ, Pierre Brunschwig, donc nous n'aurons plus de Suisse. Au départ, c'est déjà le vainqueur de l'édition 2013. Même cette épreuve. La paire vainqueur, Peter DeVos pour la Belgique avec Dream of India Greenfield. Lui, il est qualifié pour dimanche, donc il ne défend, entre guillemets, que son titre dans cette épreuve de combinaison. Oui, on avait vu un cheval très à l'aise l'année dernière sur ces combinaisons. Est-ce que ce sera la même cette année pour le couple qui remportait aussi le Global Champions Tour de Shanghai cette saison? Un tout petit peu malheureux, puisqu'il chutait aux Jeux équestres mondiaux avec l'équipe belge. De Vos qui s'est vraiment révélé hein, depuis quelques temps maintenant, depuis sa victoire, depuis sa grande victoire à Calgary. Exactement. Et regardez c'est ce qu'il parfait. Est en train de faire. Il, et c'est 11. Il va le défendre son titre jusqu'au bout. Et il partira en toute fin d'épreuve en plus, ce qui évidemment est un avantage dans un barrage. Peut-être réalisera-t-il le doublé, on le saura. Ça serait remarquable, je crois que ça n'est jamais arrivé. Je crois que ça n'est jamais arrivé. Non, Yannicka l'a fait, mais dans la grande chasse, 2012-2013. Pas dans cette épreuve des combinaisons. Et ce serait beau encore avec le même cheval. Exactement, on a encore deux bons clients, hein, si je peux m'exprimer ainsi, pour cette épreuve des combinaisons. On a du mal à pas avoir de mauvais clients, en fait, ici à Genève. Mais... c'est vrai, mais deux bons clients, déjà qualifiés tous les deux pour le Grand Prix de dimanche, à commencer par cette superbe Amazon qui est Lucia Diniz pour le Portugal, avec son très puissant Lennox. Lennox, 13 ans, pour ce fils de Lifestyle.
On avait un petit peu moins vu ces dernières semaines. Et en général, la Suisse réussit assez bien à ce couple, puisque, souvenez-vous, Luciana Diniz, début 2013, remportait le Grand Prix de Bâle et le Grand Prix Coupe du Monde de Zurich à 15 jours d'intervalle. Magnifique pour l'instant. Petite touchette, mais ça tient. Alors. Ah oui, c'est super. Ça passe, ça tient. Et donc, 12e couple, et le Portugal qui s'invite à la fête. Et Luciana Diniz qui sera la deuxième Amazone du barrage, puisqu'on aura aussi Anna Julia Concio pour la Finlande. Plus qu'un couple à pouvoir prétendre au barrage dans cette épreuve des combinaisons, justement. Et pas n'importe quel couple et pas n'importe quel cavalier, puisqu'il est vice-champion olympique par équipe en individuel, champion du monde par équipe. C'était à Caen, Gerko Schröder, il est ici avec Glocks, Cognac, Chamblanc, déjà qualifié lui aussi pour le Grand Prix de dimanche. Et ce fils de Clearway montre depuis le début de ce concours beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Très puissant ce Chamblanc. Attention, un petit peu près hein, du premier double, mais pour l'instant ça passe très très bien. Oh, magnifique. Super. Magnifique pour lui aussi. Donc on en aura 13. C'est un sans faute. Ils sont donc 13 au barrage qui va se disputer dans quelques instants. Alors il va y avoir combinaison bien sûr, mais il y aura aussi des obstacles simples au barrage. On va se retrouver dans une configuration un tout petit peu plus classique pour la deuxième partie de cette épreuve. Et donc 13 barragistes: Bertram Allen, Niklaus Rucci, Steve Gerda, Billy Toomey, Henrik van Eckermann, Markus Henning, Jérôme Hurel, Anna Julia Concio, Pier Giorgio Bucci, William Whittaker, Peter De Vos, Luciana Diniz et donc Gerko Schröder. François, merci beaucoup. Merci. De nous avoir accompagnés pour cette épreuve. On va retrouver dans quelques instants un cavalier complet, excusez-moi, qui montera ce soir le Grand Cross. A tout de suite. Thank you.
J'entends. Ah oui. Allez, on est de retour ici à Genève, à quelques toutes petites minutes du barrage de cette Coupe de Genève, cette épreuve des combinaisons. On va retrouver 13 couples au barrage. Et c'est un cavalier de concours complet qui m'a rejoint. Alors, c'est une première à Genève. On va avoir ce soir la chance de vivre un grand cross indoor. Bonjour, Karim Florent Lagouague. Bonjour, Mehdi. Comment ça va ? Très bien, merci. Bien arrivé à Genève ? Oui, super bien. Et c'est vrai qu'ici, on est aussi très bien accueillis. C'est un peu loin, mais non, c'est tout. On a pris le vent et puis on a amené les chevaux. Bon, alors, cette épreuve ici à Genève, ce sera une première. Ça commence à arriver un petit peu, ce cross indoor. Vous avez pu monter la piste très tôt ce matin, vous êtes levé tôt. C'est une piste qui se prête évidemment à ce genre d'épreuve. Moi j'avais déjà couru une épreuve à Stuttgart, à Malines et à Bordeaux. Et c'est vrai que là la piste est encore plus grande. Alors, on va changer de hall aussi, on va aller au paddock et puis revenir sur la piste principale comme à Bordeaux. Donc c'est vrai qu'ici c'est un petit peu plus galopant, il y a un peu plus d'espace. Vous avez vu un petit peu les configurations ce matin, comment ont réagi les chevaux justement sur cette piste qui parfois impressionne un peu les chevaux de saut d'obstacle en tout cas. Est-ce que vos chevaux sont un petit peu impressionnés aussi ? C'est pas forcément des chevaux d'intérieur que non. Vous avez vous. Alors là il y a trois particularités. Il y a la première particularité qui est en fait le bruit. Il y a énormément de bruit. Ouais, hein, les gens font beaucoup de bruit. La musique est aussi un peu forte parfois. Donc les nôtres ne sont pas du tout habitués parce qu'il y a un peu le côté très cool quand même du dressage. Ouais. Quand on arrive au concours, on commence par le dressage, donc les chevaux sont habitués. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est le guet en plein milieu là quand même qui les surprend. Je veux dire, dans une carrière, ils n'ont pas forcément l'habitude d'aller dans le guet, donc ça surprend. Et c'est pas l'endroit habituel en fait d'un guet, voilà. Pour vous. Non, absolument. Et le dernier problème, c'est l'écran géant. On a quand même la majorité des chevaux qui ne veulent pas s'en approcher, même des chevaux guerriers, si je puis dire, comme les nôtres. C'est quelque chose d'atypique quand même. Donc c'est vrai qu'il a fallu ce matin tourner pas mal devant l'écran géant pour essayer de les habituer. L'écran géant qui porte bien son nom parce que c'est le plus grand écran qu'on ait sur une piste aussi. En indoor justement. Alors vous êtes venu ici avec plusieurs Français. C'est un format qui vous plaît justement, ce cross indoor. Est-ce que vous avez envie de voir un petit peu ces épreuves se développer? Parce que c'est vrai que vous l'hiver vous êtes un petit peu au repos en général. Est-ce que c'est un bon moyen de continuer de faire du concours l'hiver? Mais est-ce qu'il ne faut pas des chevaux peut-être spécifiques pour ce genre d'épreuve? C'est ce que moi je pense. Je pense que c'est très bien pour la discipline, entre guillemets, pour faire connaître un peu les cavaliers de concours complet et les obstacles de cross, même si là, effectivement, c'est pas du cross, enfin, c'est pas du complet. Nous, le complet, c'est un triathlon. Là, il n'y a que le cross et à l'intérieur. Oui. Donc, c'est vraiment une épreuve qui met peut-être un peu plus en avant les chevaux avec une foulée plus petite, oui, quand même, pour tourner plus facilement. Alors que nous, les très bons chevaux de concours complet, ils ont une très grosse action. Donc, forcément, pour les faire tourner dans un mouchoir de poche, c'est plus compliqué. Donc c'est pas forcément ces chevaux-là qui vont être performants dans ce type d'épreuve. En revanche, ben voilà, c'est en train au fur et à mesure un peu de se mettre en place. Ils sont en train de chercher les barèmes. Parfois c'est un barème à chrono. Ça discute beaucoup à la Fédération internationale, je crois, hein, sur ce genre d'épreuve. Énormément. Donc ici, ils sont très, prudents. Donc ils ont préféré faire le plus proche du temps idéal. Donc ils vont mettre un temps de référence. Et tous ceux qui vont se rapprocher le plus possible, eh ben, ils vont être départagés justement par rapport à ça. Donc il ne faudra pas aller le plus vite possible. Absolument. Donc par exemple, à Bordeaux, c'était le plus vite possible. Même les bars comptaient pour du temps, oui, comme un bar MC. Donc c'est vrai que là, on est plus tenté à aller très très vite avec la problématique des obstacles qui ne vont pas tomber. Donc s'il y a un cheval qui accroche, ben, il peut tomber. Là, ça va très très vite. Donc voilà, de fil en aiguille, on voit que ça se précise. Et là, en l'occurrence, on va tester un nouveau style de barème que je connais en cross, mais que je ne connaissais pas sur ce type de parcours. Et en plus, on voit qu'il y a du beau monde hein, ce soir. Évidemment, alors il y a plusieurs cavaliers français qui sont là. Il y a les cavaliers suisses à domicile. On a quand même la championne du monde qui vient, Sandra Hoffart aussi. Le grand absent, c'est peut-être Michael Jung finalement, qu'on avait vu ici en saut d'obstacle. Il a gagné Stuttgart, ça va, il n'a pas tous ses gagnés non plus. Mais c'est vrai que ça, finalement, ça plaît cette formule aux cavaliers, on voit. Bah, surtout les cavaliers qui, en général, ont tendance à faire un petit peu de saut d'obstacle à côté. Enfin, de plus en plus maintenant, hein, parce que c'est toujours intéressant. Vous, c'est votre cas, on vous voit beaucoup sur les terrains du CSO aussi. Là, j'ai vendu énormément de chevaux de concours hippie, donc j'en ai moins maintenant. Vous allez arrêter de tout gagner alors, parce que moi, je vous ai vu sur plusieurs terrains.
Ça marche bien un concours hippique aussi. Donc c'est vrai que bon bah voilà, ça a toujours été un peu mon truc aussi, alors dans des épreuves pas plus haut que 1m40, mais. C'est bien déjà. Ouais. Non, c'est vrai que c'est très sympa. Et puis voilà, ça permet de travailler, de tout le temps essayer de progresser dans un domaine. Je vais aussi en dressage, hein, donc d'une façon générale. Bon, vous y allez peut-être avec un peu moins d'entrain, non? comme beaucoup d'ailleurs. Plus trop maintenant. C'est vrai que je m'y suis finalement parce qu'en fait, dans les personnes qui collaborent avec nous, il y a deux filles qui font du dressage. Et bah voilà, de les côtoyer tout le temps, ils viennent régulièrement, s'occuper des chevaux, tout ça. C'est vrai qu'au fur et à mesure, ça donne envie. Et cette année, de participer à au Grand National de dressage, par exemple, au Brévières ou à Jardy ou des trucs comme ça, c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Bon, en tout cas, il n'y aura pas de dressage ici ce soir, c'est pas ce qu'on vous demandera. Vous avez déjà une idée du parcours ou pas du tout? Ah oui, bah j'ai même le plan sur moi. À quoi ça, est-ce qu'on peut dire que ça va ressembler à un niveau d'épreuve de concours complet? On voit que c'est du niveau 3 étoiles, ouais. C'est quoi? C'est dans les hauteurs, donc, plus que ça? Absolument, joue. C'est 1m20 la partie fixe des obstacles, et puis 1m40 la partie qui dépasse, en fait, que les chevaux peuvent brosser, un peu comme les obstacles de course. Et ouais. Et là, c'est 1m40, donc là, on est à fond partout, donc il y a une pointe qui est grosse, il y a des directionnels, il y a le fameux poisson, là, de Caen, le fameux, de Caen, le fameux poisson qui a posé des problèmes. Qui nous a poissé. Ouais. Et puis voilà, puis le guet, hein, toujours, et puis essayer de s'approcher au maximum du temps idéal. Et c'est vrai que heureusement qu'on avait la warm-up ce matin, parce qu'on a vu beaucoup de chevaux très, très intimidés. Alors, on va reparler de ce cross tout à l'heure. Vous viendrez même nous voir après votre parcours tout à l'heure, hein, puisqu'on aura l'occasion de commenter cette nouveauté ici à Genève. Ici, il ne faut pas se rapprocher du temps idéal. Il faut aller le plus vite possible, puisqu'on est au barrage de cette Coupe de Genève. C'est parti avec le premier des 13 cavaliers, pas des moindres. Jeune Bertram Allen, 19 ans. Et déjà énormément de victoires, 17e cavalier mondial ce mois-ci. Ouais, c'est incroyable, il a le vent en poupe. Complètement. Alors, et une faute malheureusement sur le deuxième élément de ce barrage. Et on a gardé le double qui posait des problèmes tout à l'heure, ce double orange. Bizarrement. Il tourne à droite. Ah oui, d'accord, celui-là a été la déplacé. Palanque de Cavadeos qui n'était pas là tout à l'heure. Et le dernier Auxerre qui faisait partie du quadruple tout à l'heure. Et deux fautes sur les Auxerre. Petite leçon de jambe à la fin. Ouais, on voit qu'il n'était pas satisfait de son parcours. On se met à sa place. C'est vrai qu'on aurait pu l'imaginer dans les favoris. Toujours un petit peu difficile, hein, d'ouvrir un barrage. En tout cas, le chrono va être intéressant. Mais avec 8 points, c'est sûr, on n'a pas encore vu le vainqueur de cette épreuve. Allez, la Suisse maintenant, lui aussi il a le vent en poupe ce week-end, deuxième hier soir de la grande chasse, ça veut dire qu'il peut aller vite. Et il est ici avec une jument française, hein, si gracieuse, ardente. Première cartouche suisse. Très bien sauté tout à l'heure. Hein. Beaucoup de hauteur. Donc il part à main droite. Une petite modification, un petit changement. Ça, il fait droite-droite. Oui, on aurait tendance à penser qu'on partirait plus facilement à gauche. Pour tourner à droite, en général, oui, parce que du coup, bah, on a vu, là, le cheval a réceptionné sur le pied gauche, il a dû changer de pied, donc c'est vrai que ça fait perdre un petit peu de temps quand même. Mine de rien. Oh là, ouais. C'est fort décalé. Fort anticipé le virage. Voilà, super. Super Putain, passage. Elle saute extrêmement bien, comme tout à l'heure. 4, 5, 6, 7, je crois. Je pense qu'il fait une foulée de moins que Bertram Allen. Là, très serré aussi. Il va avoir un chronomètre pas mal. Oui, on a vu tout à l'heure 34 secondes. Ce sera à peu près dans les mêmes temps. Et c'est même plus vite. 33,78 et c'est surtout sans faute pour Niklaus Rucci qui prend donc le leadership provisoire de cette épreuve. Il a perdu un petit peu de temps sur les trois premiers, ouais. Il a un peu assuré le début, puis après il a été vite. Donc il est prenable. Mais c'est une jument qui est encore jeune, hein, 8 ans seulement. Effectivement. Peut-être qu'il n'a pas encore voulu tout lui demander. Et maintenant, attention, parce que les tribunes vont trembler. Ah oui, champion olympique. L'enfant du pays est sur la piste.
Steve Garda avec Conchette Austin. Et voilà, les jeunes filles sont en furie. Déjà. Et puis bon, discuter avec un monsieur suisse tout à l'heure et qui voue une admiration sans faille à Steve Garda, ce qu'on comprend tout à fait d'ailleurs. Mais lui le connaît bien. Il disait que quand il était petit, il montait dans un club quand il avait 10 ans, quelque chose comme ça, et il faisait exprès de lui donner les chevaux les plus difficiles pour qu'il soit à peu près du même niveau que les autres enfants. Déjà, ça voulait dire qu'il allait devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est parti pour Steve qui lui part donc à main gauche. Voilà, et puis en avant. Hein. Ouais, tout de suite. Non, c'est pas le même rythme qui est imprimé. Il y a au moins 2 ou 3 foulées de moins dans cette courbe. Voilà, donc là il est obligé d'assurer, je pense que c'est nécessaire parce que cet obstacle très difficile, pose énormément de problèmes. Voilà, là il fait pareil, 7 foulées en avant. Avec hop, justement, on le voit pas à l'image, mais il y a cet écran géant qui est juste derrière ce vertical. Et les chevaux se tiennent beaucoup. Oh, tout juste. Très très bien fait ici, ça sera plus vite, c'est sûr. Est-ce qu'il faut que ça tienne? Magnifique. 31,73, il lui met 2 secondes à Niklaus Rucci. Il va être relativement difficile à aller chercher probablement. Mais c'est vrai que je crois que dans cette compétition, il est toujours porté par son public. Ici, il fait toujours des... Enfin, un peu ailleurs, mais particulièrement ici, il a fait toujours des performances incroyables. Comme quoi, le mental, c'est... Et ça lui tient énormément à cœur. Steve Garda qui est raccompagné évidemment jusqu'à la sortie par son public, alors que Billy Toomey arrive maintenant avec Diaghilev. Qui a bien sauté aussi tout à l'heure, qui fait comme ça un petit peu plus lent, mais je ne sais pas si tout à l'heure il a fait ça un peu tranquille et qu'en fait il en a sous la pédale énormément, c'est difficile à dire. Je ne connais pas très bien ce cheval. Ah, il ne veut pas trop s'approcher du bord. Ah, il faut tout le temps être dans le... les rassurer, même des chevaux qui ont un petit peu d'expérience, qui connaissent les indoors, on voit que les chevaux peuvent être impressionnés. Hein. En même temps, il y a toutes les tables, les gens font beaucoup de bruit. Il faut quand même les habituer. Mais Billy Toomey est assez rapide aussi, oui. Comme cavalier, comme les Irlandais en général. J'allais dire. Et malheureusement, comme Bertrand Mallet, faute sur cet Auxerre. Qui était son pilote avant. Oui. Bertrand Mallet. Et maintenant, il doit être chez Marcus Hening, il me semble. Il s'entraîne avec Marcus, ouais. Il a son écurie, mais à côté de chez Marcus. Comme tout le monde. comme beaucoup, en tout cas, c'est une valeur sûre. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler avec Marcus Hening et qu'il y a plus de prétendants que d'élus. Et évidemment, pas le plus vite, hein, puisqu'après une faute, il n'a pas pris tous les risques, Billy Toomey, mais qui se qualifie quand même pour le Grand Prix de demain. Puisqu'on reprend la 10-5 couple qui n'était pas encore qualifié dans cette épreuve. Et Billy Toomey en fait partie, tout comme Niklaus Rucci ou encore Jérôme Murel qu'on va voir dans quelques instants. Ils ont le même chrono. Troisième, exactement, même ça, chrono original. Que Bertram Allen. Les deux Irlandais dans le même temps, mais pas avec le même nombre de points. Ouais. Allez, les couleurs de la Suède maintenant. Gotha et Henrik von Eckermann. Là, il y a un client aussi. Lui aussi s'est allé vite, il nous l'a déjà montré. Jument au sol extrêmement rapide, mais par contre parfois un peu de mal à la maîtriser, elle est un peu nerveuse. Elle n'a pas la meilleure, elle a pas la bouche la plus facile a priori. Mais il s'en sort très bien, il a eu énormément de performances avec cette jument, c'est sa jument de haut niveau. Bon, déjà là, elle voit les barres, il a serré au maximum. Elle sait où elle va. Là il assure aussi. Un petit peu proche, donc il se retrouve un peu loin de l'Auxerre, pas de problème. Très belle couverture. Ah, il décide de remettre une distance au dernier moment, donc il ne pourra pas faire nécessairement un chrono plus vite. Là aussi, il n'a pas la meilleure foulée non plus ici. Il est rapide, hein, quand même. 1,73 à battre, 31,73, ça va être plus vite, 31,43. Ah oui. Incroyable. On s'aperçoit que la vitesse au sol, c'est quand même quelque chose. Et oui, pourtant, on l'a vu hein, sur la palanque l'avant-dernier, c'était une petite foulée, donc ouais. On perd du temps. Et il n'a pas pu faire cette foulée dans la continuité. Alors, ça lui a peut-être permis de tourner un petit peu plus serré. Mais bon, c'est une jument qui est extrêmement rapide aussi. Ils se connaissent très très bien. Regardez l'œil de la jument qui cherche aussi les barres. Impeccable. Et donc la tête pour la Suède. Maintenant 31-43, le nouveau chrono à battre.
La Suède de Birbaum. Oui, la Suède allemande, on fait dire. Et voici maintenant l'Allemagne, justement. On en parlait de ce cavalier, le métronome Markus Henning. Ah, c'est une leçon d'équitation à chaque fois qu'on le regarde. Alors, il est extraordinaire, ce monsieur. On va quand même voir ce qu'il va faire avec ce cheval, puisque c'est encore un jeune cheval. Mmh. Il a 8 ans. On voit que parfois, il est un petit peu contrarié, Singular. Est-ce qu'il va pouvoir prendre tous les risques? Pour l'instant, il avance quand même, mais il a pas l'air, il grimace beaucoup. Wow, oh, les sauts qu'il fait. Excellent sauteur, en tout cas. C'est fluide, là. Lui, il n'a pas repris du tout pour rentrer dans ce double, quand donc même. Il n'a pas perdu de temps, lui. Non. Par rapport 2, à... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Mais lui, il va tourner très court, c'est sûrement. Sûr. Ah, et là, du coup, il perd du temps. Du coup, on parlait de la vitesse au sol, bah là... Là, forcément, là, ça fait perdre du il temps. Il en perd énormément. Et il sera derrière, c'est sûr. Regardez le chrono. Mm. On est déjà derrière. Excellent parcours, en tout cas. Très bon sauteur. Il y aura encore des réglages à faire pour la vitesse. Mais en tout cas, la qualité de saut n'est absolument pas détériorée. Ouais. Et c'est bon. La quatrième place au provisoire. Ça faisait, on n'a pas senti qu'ils étaient à la peine, tous les deux. Ça fait vraiment facile. Oui, il est en train de préparer la ruade. Oui, puis c'est... Il a bien tendu. Dès qu'il met un petit peu la jambe comme ça, probablement. Hein, parfois le. Il lui a fait dans le quadruple à la sortie tout à l'heure. Allez, la chance française de ce barrage, Jérôme Murel, avec son crack quartz rouge. On n'est pas dans le même gabarit de cheval déjà. Hein. On est plutôt là dans la foulée de 6 mètres. Ah ouais. Là pour le cross indoor. Ah non, un petit peu plus compliqué. Il est surpuissant. Un petit coucou à Deborah Smaga qui doit avoir du mal à respirer. Propriétaire du cheval. Ah, c'est aussi un cavalier extraordinaire qui a une monte rapide tirée naturellement. Et là c'est pareil, oui, il y a des foulées en moins, hein, dans cette courbe déjà. Ouais, c'est un cheval qui a énormément d'action. Là, il faut qu'il... La reprise avant le double, très très bien. La sortie, aucun problème. La puissance, c'est pas le problème. Et il met 8 foulées aussi, ouais, Jérôme. Ouais. On préfère composer. Pour pouvoir tourner plus court possible derrière. Et il est à l'intérieur des traces. Hein. Mm. Allez, 26, on perd un 27. Petit peu de temps ici. Allez. Ça va être juste. Non, ça passera pas. Mais en tout cas, magnifique, sans faute, 33-86. Bravo. Et il passe devant Markus Henning. Parce que là, il y a la qualif. Et lui est qualifié, ça y est, Jérôme se qualifie pour le Grand Prix donc là, de demain. Donc ça c'est déjà contrat, une bonne chose. Contrat rempli. Bravo, parce que c'est vrai qu'il a chuté lourdement lors de une des épreuves de vitesse. Jeudi soir, alors qu'il était au barrage du donc premier là, ça, Grand Prix Genevois. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que dans chaque compétition, les cavaliers ont besoin quand même de faire des performances pour... Ça vous relance un peu pour la suite. Et puis le fait de faire cette performance aujourd'hui pour demain, ça va être. Ben voilà. Ça va faire du bien au moral, vraiment, comme on dit. Vraiment bien sauté. Elle est toute jeune cavalière maintenant. Hein. Anna Julia Kontio qui sort à peine de ses années de jeune cavalière pour la Finlande, mais qui vit et travaille en Suisse avec Martin Fuchs, bien sûr, et son père Thomas. Avec là aussi, il y a un vivier de cavaliers chez les Fuchs aussi important. Mais on sait que de toute façon, les deux frères étaient redoutables. Thomas déjà. Et Markus déjà. Et puis, il laisse la place maintenant à Martine. Exactement. Et puis, il y a cette cavalière aussi, Anna Julia Kontio, quand on sait que il faut arriver. Steve travaille chez Thomas. Il faut arriver dans ces épreuves. Il y a quand même très peu d'élus. Alors là, elle n'est pas partie sur un gros braquet. Elle assure aussi au maximum. Elle n'est pas partie pour battre tous les records. Comme ça, à voir. Elle a vraiment assuré sa combinaison. Ouais. Mais elle n'est pas si mal. Très bien fait ici. Et attention, parce que ça va être à peu près dans les chronos des meilleurs. 30 secondes. 32 à l'arrivée. 32-69. Pas mal. Et ben, c'est la troisième place. Juste derrière Steve Garda. Exact. Anna Julia Kontio. Qui monte pour l'instant donc sur le podium de cette épreuve. Et un sang-froid incroyable. Bravo. Donc sûrement un cheval aussi, c'est une jument. Alors Fardon,
qui est rapide au sol. C'est un haut en gras, ouais, c'est un fils de Corland. Rapide au sol, parce qu'on n'avait pas l'impression de vitesse du tout. Ouais. Mais grande foulée, hein, pas de défense, quoi. À partir du moment où c'est fluide, en général, on perd pas de temps. On perd quand même beaucoup moins de temps. L'Italie maintenant, Pier Giorgio Bucci avec Casalo Z. Normalement, les Italiens. Ce fils de Casal. On vite. Parti sur un bon rythme, un cheval plus petit. Oui, qui s'enroule complètement sur cet Auxerre. Bon virage. Il remet la distance, c'est un peu difficile, ça passe bien. Un cheval très rangé, très respectueux. Un peu chat comme ça. Oui, exactement. Il doit faire 1m60. Il est un tout petit peu plus grand. Ouais, un petit peu plus grand. Il est un petit peu plus haut que les barres. Effectivement. Et regardez le chrono, c'est bien aussi ça. Malheureusement, faute sur le dernier. On est en 32-82. Ah, sans la faute, c'était la quatrième place. Malheureusement, ça le fait redescendre au 7e rang provisoire. Pier Giorgio Bucci. Que l'on reverra de toute façon demain dans le Grand Prix. Parfois, on peut voir la coupe sur la cheminée, comme on dit. Ouais. Mais il reste encore le dernier. Là, elle ne sera pas sur la cheminée d'Italia, en tout cas. Pour l'instant, la coupe, elle est toujours allemande. Sur la cheminée dans suédoise. Ah, oui, c'est vrai. Mais pardon. Bon, suédoise-allemande, exact. Comme on a dit avec Henrik von Eckermann. William Whittaker. Alors, allez, Whittaker. Bon, quand il faut aller vite, ils savent le faire aussi. Le couple était vainqueur de la Coupe du Monde à Stuttgart il y a quelques semaines. Tout jeune cavalier, lui aussi, William. Grande, grande, grande famille ouais, de cavaliers anglais. Incroyable. Tout le monde, est performant. Ouais, mais pour la petite histoire, c'est le fils du seul qui n'est pas cavalier. Voilà. C'est le neveu de John, le neveu de Michael et le neveu de Steven. Il a conjuré le sort, lui. Il a dit non. Ouais, moi, je veux faire comme les tontons, je veux monter à cheval. Et ça lui réussit bien. C'est parti, 31-43 à battre. Parfois, on se dit qu'on a du mal, que pas mal de cavaliers ont du mal à trouver des chevaux, mais eux, ils doivent être au moins 5 ou 6 à faire du concours avec plein de chevaux. Tu dis, c'est incroyable, je ne sais pas d'où ils les sortent. Et ils en sortent toujours les bons. Oui, c'est vrai. Et oui, Liam qui faute ici sur ce vertical. Oui. Alors lui aussi, il venait chercher prioritairement la qualif pour demain. Il l'aura. Fort freiné le passage pour pouvoir tourner plus court. Et du coup, il n'a pas eu le temps de finir. Ouais. Coince un petit peu. Et puis ils ont fait exprès de laisser le vertical évidemment face au grand écran. À l'écran géant pour reculer les chevaux un petit peu évidemment. Donc ils peuvent parfois ne pas finir tout à fait leur saut. Ouais. Ici, il a fait rouler la barre sur les piquets. Il faut dire que les piquets sont quand même de plus en plus plats aussi. Et le matériel est très léger. Agile. Allez, il en reste 3 maintenant. Et c'est le tenant du titre qui arrive pour la Belgique, Peter De Vos avec Dream of India Greenfield. Le couple qui remportait cette épreuve l'année dernière. Peter De Vos va-t-il réussir à déloger Henrik von Eckermann? 31 secondes 43 à battre. Là, il y a quand même un plateau très très élevé. Je veux dire. Les meilleurs du monde sont là. On en discutait tout à l'heure, on disait on les met tous dans un panier, on en prend un, on le met sur tel cheval. À mon avis, ça ne devrait pas trop changer grand chose quand même. C'est comme les pilotes de Formule 1, sont tous hyper hyper compétents. Et après, c'est aussi le. Il faut que ce soit le bon jour. Et voilà. Et puis bon, nous, on a la chance quand même d'avoir le côté de s'entendre avec le cheval. D'avoir le feeling avec ce cheval, ça c'est vraiment. Parce que d'avoir le feeling avec une voiture, je suis pas quand même persuadé. Ou avec un ballon. Mais avec le cheval, c'est vrai, c'est ça. D'un seul coup, on peut dire, tiens, ce cavalier pas très performant. Et puis d'un seul coup, il arrive à battre tout le monde sur un événement comme les Jeux. Parce qu'il y a le truc avec ce cheval. Quoi. Et même s'il a le feeling avec Dream of India, Peter De Vos ne. Il ne gagnera pas 2 années de suite cette Coupe de Genève, non. Puisqu'il y a 4 points au compteur ici sur ce double. Et il est pour l'instant à la 7e place. Dommage. Alors, est-ce que la victoire sera suédoise, portugaise ou néerlandaise? Eh bien, on va voir si elle va être portugaise dans quelques instants, puisque c'est Lucella Diniz maintenant, l'avant-dernière cavalière de cette épreuve à prendre le départ avec Lennox.
Cheval qui peut être un petit peu chaud comme ça. Est-ce qu'elle va prendre tous les risques? Il fait son retour déjà depuis quoi? Depuis quelques semaines, on le revoit. Voilà, c'est. Mais bon, c'est un cheval qui a été hyper performant, qui a énormément de moyens, très vif. Qui a aussi une très très grande galopade sur une piste comme celle de Genève. Ça peut être un avantage. C'est intéressant. On voit qu'elle l'a beaucoup rassuré avant de partir. Elle est motivée. Le 1 en avant, très en avant même. En avant, il y a deux billets pour tourner le plus court possible. Elle tourne au-dessus. Ah oui. Oh là, elle rentre aussi Elle rentre plus fort dans le double, mais le cheval se recule de lui-même. Magnifique. Oh, les sauts. Elle voulait une foulée de moins, du coup. Ah non. Ah non, elle remet. Elle rechange. Et malheureusement, un petit peu trop tard, sûrement. Peut-être. Je pense qu'elle a voulu faire une foulée de moins et que le cheval a dû se tenir face à l'écran et que elle s'est. Parce qu'il a une très grande foulée, mais il se tient très sur les hanches. Hein. La nuque toujours très haute. Et donc on assure les derniers sauts. On ne prend pas tous les risques. 4 points à l'arrivée pour Luciana Diniz et la 10e place. Donc toujours Henrik von Eckermann en tête devant Steve Garda et la Finlandaise Anna Julia Kontio. Seul un homme peut venir bouleverser ce podium. C'est Garko Schröder, champion du monde par équipe, vice-champion olympique par équipe et en individuel. Tout ça c'était avec London, là il est avec Chamblanc, Glox Cognac Chamblanc. Jérôme toujours 5e. Et oui, Jérôme Hurel toujours 5e pour l'instant. Alors en général, c'est pas le plus rapide ce cheval. On voit qu'il essaye d'aller un petit peu plus vite maintenant. Exact. Il joue sur l'action quoi. Il doit le composer pas mal. C'est un cheval qui face est vraiment... à Gotha qui est très rapide au sol. Oui. Non là c'est sûr que c'est pas. On n'a pas le même. Il part pas avec tous les avantages de son côté, on va pour dire. Pour l'instant, mais on voit que le cheval a tendance à évoluer, mais c'est un cheval quand même assez près du sang. Ouais. Ce gris là. Et que parfois il peut peut-être s'aplatir un petit peu. Donc il essaye d'aller le plus vite possible, mais on voit que. Ici il assure l'entrée. Bravo. Mais très très bon sauteur encore lui, une fois. Lui il lâche pas, hein. il a 17, c'est 7. Hop, du coup il tourne un peu plus large. Il est un tout petit peu plus loin dans les traces. Mais très bonne foulée en revanche. 5 secondes. Très très bonne foulée sur cette palanque. Et le chrono, ça va être juste. Non. Ça va être juste. 32-73 à l'arrivée. Et il est tout juste quatrième. Juste derrière Anna Elvira Concio. Quatrième place pour Garko Schröder. Et donc la victoire pour Henrik von Eckermann avec Gotha. 31-43 devant Steve Garda. Deuxième avec Conchetoson. Troisième la cavalière finlandaise. Quatrième Garko. Cinquième Niklaus Rucci. Et Jérôme Hurel. Sixième et surtout qualifié pour le Grand Prix. Exact. Tout comme d'ailleurs Niklaus Rucci et puis William Whittaker qui se qualifie aussi donc pour ce Grand Prix, comme Billy Toomey aussi. Donc ces cavaliers sont soulagés, il ne restera plus que 5 places dans l'épreuve de ce soir. La tension va monter pour les cavaliers de saut d'obstacle et puis elle va monter de plus en plus pour les cavaliers de complet aussi. Vous c'est vers 22h30. 22h15 22h15 normalement le début de l'épreuve. C'est ce qui est annoncé. Moi j'ai le numéro 6, je vais partir en 6ème position, donc j'aurai un petit peu d'informations. Vous quand allez même pouvoir regarder quand même. Alors qu'Eric Vijanel, il a pris le numéro 1, donc il y aura moins de chance. Et il faut bien un premier, il faut un ouvreur, ce sera Eric Vijanel ce soir. C'est pas évident. Et on se retrouvera donc de toute façon pour suivre ce cross indoor, la grande nouveauté cette année à Genève. On sera en direct bien sûr, donc soyez avec nous. Et puis Karim nous reviendra encore une fois au micro, alors après son passage, on va quand même le laisser passer. Et puis il viendra nous retrouver pour nous raconter ses impressions et puis suivre les derniers cavaliers de ce cross indoor. À ce soir Karim. À ce soir, merci beaucoup. Allez vous reposer et prendre des forces, et on se retrouve ce soir donc aux alentours de 22h15. Ciao. À tout à l'heure.
mesdemoiselles, messieurs, cérémonie protocolaire de cette Coupe de Genève, épreuve de combinaison formidablement spectaculaire cet après-midi, avec à mes côtés Alban Poudret, directeur sportif du CHI de Genève, mais aussi créateur, initiateur de cette épreuve de combinaison. Egon Kisberla est là avec nous également, membre du comité du CHI, plus de 50 ans de concours, cher Egon, bravo. Mais cet après-midi, nous sommes là également pour fêter celui qui l'a emporté pour la Suède, Henrik von Eckermann. Et on se lève, mesdames et messieurs, pour l'hymne suédois. Mesdames et messieurs, une ovation à Henrik von Eckermann qui l'emporte dans cette Coupe de Genève, épreuve de combinaison. Quel barrage! Des prix qui lui sont remis par Alban Poudret, je le disais, directeur sportif du CHI de Genève, et Egon Kisborla, 50 ans de concours hippique international à Genève, à la responsabilité des finances, tout spécialement. Merci Egon pour tout ce que tu fais et as fait pour le CHI de Genève. Formidable barrage de Henrik von Eckermann et Gotha, cette jument hanovrienne. 31 secondes, 43 centièmes au barrage. Il reçoit encore un panettone offert par le Starling Hotel Geneva et remis par Fabrizio Dominici, chef de cuisine. Une photo souvenir encore avec Henrik von Eckermann. Et c'est le moment d'aller retrouver celui dont on a bien pensé qu'il allait inscrire son nom pour la deuxième fois au palmarès de cette Coupe de Genève. Après sa victoire en 2008, c'était alors avec Ferrari. Il est deuxième, 30 centièmes derrière Henrik von Eckermann. Il monte con Chet Dawson, Steve Gerda. Quel concours pour Steve, il était troisième hier, deuxième jeudi, magnifique performance. Et là encore, deuxième, tout près de la victoire dans cette Coupe de Genève. À la troisième place, et quelle belle surprise de retrouver cette cavalière finlandaise qui montait Fardon Anna Julia Kontio. Quel classement formidable qui lui permettra d'être en Coupe du Monde dimanche. À la quatrième place, un des grands du saut d'obstacle pour la Hollande. Il montait Glockskoniak, Chamblanc, un Hongre Holstein, Gerko Schröder. Superbe perf, comme on dit, pour Niklaus Rutschi, qui se classe cinquième et se donne le droit d'être présent ce dimanche dans le Grand Prix Coupe du Monde. Il montait Essi Gracios Ardente. À la sixième place, on trouve Quartz Rouge, un étalon sel français que montait Jérôme Murel. À la septième place, nous trouvons Marco Senning, qui montait son étalon très puissant singulier LS Lassila.
Et à la 8e place, celui qui l'avait emporté l'an dernier dans cette Coupe de Genève, c'est même la paire qui l'avait emporté l'an dernier. Il montait Dream of India Greenfield, Peter DeVos. Mesdames et messieurs, cette cérémonie protocolaire touche à sa fin. Quel plateau de cavaliers, quel spectacle dans cette Coupe de Genève. Place au tour d'honneur au galop en musique sous la direction de Henrik von Eckermann qui l'a emporté et sous vos applaudissements les plus chaleureux. Let's go! Henrik von Eckermann à 30e Sigurda. La formidable Anna Giulia Contio. Heinrich von Eckermann, magnifique lauréat de cette Coupe de Genève, Steve Gerda et la très belle surprise Anna Giulia Contio qui complète ce podium prestigieux. Jerko Schroeder, Niklaus Rucci, Kelperf, Jérôme Hurin, Marco Sinning, Peter DeVos. Que de bons noms pour cette distribution des prix de cette Coupe de Genève. Et une belle ligne encore sur la liste des lauréats de cette Coupe de Genève avec ce nom d'Henrik von Eckermann qui va venir s'y ajouter. Mesdames et messieurs, c'est aux alentours de 16h25 que nous nous retrouverons ici même sur la grande piste pour le prix de la Fédération d'élevage du cheval de sport suisse, la tournante à 4 chevaux de 7 ans montée par des cavaliers internationaux. Une épreuve toujours passionnante et dans l'intervalle, le prochain rendez-vous important, c'est dans 15 minutes très précisément avec le clinique de saut sur le paddock d'attraction pour les vainqueurs des épreuves Jockey Club Crédit Suisse, un clinique de saut qui sera organisé avec la participation du cavalier français Simon Delesse.